Si est-il l'un des romans les plus attendus de la rentrée, le prochain livre de Michel Houellebecq, intitulé Anéantir, doit sortir le 7 janvier prochain. Mais l'ouvrage aurait fuité sur le net, selon Le Parisien, ce mercredi 22 décembre. Le quotidien explique qu'un fan de l'écrivain a assuré sur son compte Twitter avoir acheté le roman de 730 pages sur Internet et l'avoir terminé en 2 jours. Anéantir a été envoyé à la presse le vendredi 17 décembre dernier avec pour instruction de ne pas en dire un mot avant le 30 décembre, soit une semaine avant sa sortie. Les médias ont interdiction d'aborder le contenu de l'ouvrage avant cette date, excepté de dire que Michel Houellebecq s'y nourrit de l'actualité politique avec un sens magistral de l'anticipation, précise Le Parisien. Mais il semble donc qu'il y a eu une fuite. Le livre se trouverait donc sur un site de piratage. Si est-il agent de l'écrivain qui l'aurait repéré en premier sur les réseaux sociaux et qui en aurait informé Flammarion, sa maison d'édition. Cette dernière a engagé des démarches judiciaires afin de rendre impossible l'accès à ce site dès ce mercredi 22 décembre. Michel Houellebecq n'accordera aucune interview. L'écrivain avait d'ores et déjà prévenu qu'il n'accorderait aucune interview pour la sortie de ses nouvelles ouvrages. Mais ce passionné de hacking et de piratage, comme le révèlent ses romans, doit très probablement suivre cette affaire de près. Pour rappel, Michel Houellebecq avait déjà été victime de ce type de piratage lors de la parution de Soumission, en 2015. Loading Widget.